Salut les constructeurs de pistes, je m'appelle Ariana. Le défi du jour sera un vrai chef-d'œuvre. Et je vais vous montrer comment peindre avec les Hot Wheels. Construisons cette piste. Regardez, j'ai construit ce circuit plein de couleurs pour peindre une toile. Vous voulez voir comment j'ai fait? À vos marques, prêts, construisez! Alors, je veux peindre ici. Mettons la toile au centre du jardin. Sur ma toile, j'ai ajouté de l'adhésif pour former la flamme des Hot Wheels. Quand j'aurai fini de peindre, je l'enlèverai pour la grande révélation finale. Maintenant, il est l'heure de construire les pistes qui mèneront à la toile. C'est parti! Utilisons ce lanceur. Il a 4 débuts de piste. Ça m'aidera à construire mon circuit à travers tout le jardin. Sur ce tabouret, il y a des barreaux au milieu qui sont à la bonne hauteur. Je vais faire passer la piste entre les pieds pour la faire aller vers la toile. Et ce lanceur me permettra de prendre de la vitesse. Ok, alors la voiture va prendre ce virage et percuter ce gobelet qui versera de la peinture sur la toile. Faisons un essai. Waouh! Ce lanceur est tellement puissant! La voiture est sortie de la piste! Je peux peut-être me servir de cette puissance différemment pour renverser le gobelet. Je me demande ce que je peux utiliser d'autre. Si je pose le gobelet de peinture là-dessus, la voiture foncera dedans et il se renversera sur la toile. On y va pour la peinture bleue. Super! Voyons si on peut faire voler ce gobelet. Wouhou! On a réussi! Ce bleu est tellement beau! Maintenant, je veux mettre un peu de rouge. Alors, la prochaine piste ajoutera une traînée de rouge avec un pinceau. Ça marchera avec cette voiture? Je peux peut-être coller un pinceau ici. Oh, j'ai trouvé! Cette voiture est parfaite! Cette piste descendra ici pour aller jusqu'à la toile. Essayons avec ça! La voiture passera dans ce lanceur et percutera l'autre voiture, ce qui mettra un coup de pinceau sur la toile. Espérons que ça marche! Ajoutons de la peinture rouge sur le pinceau. 3, 2, 1, partez! Oh! Ça n'a pas vraiment marché. Cette pente est un peu trop raide. La voiture allait beaucoup trop vite en entrant dans le virage. Voyons ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Ce panier rouge va adoucir la pente. Et je pense que surélever le propulseur de virage aidera aussi. Avec ça, la voiture prendra le virage moins vite. Ok, ça m'a l'air pas mal. Faisons un autre essai. Oui, ça a marché! Adoucir la pente a permis à la voiture de prendre le virage. Ok, maintenant, je vais faire une piste similaire, mais avec une autre couleur. Ces deux pistes vont se croiser. Alors on va se servir de ce surélévateur pour empêcher les carambolages. Avec un booster ici, ça poussera le pinceau qui est juste au coin. Allez, Victor, il est temps de laisser ta trace. Cette piste ajoutera du jaune sur la toile. Oh, ce booster nous a donné trop de puissance. Waouh, la voiture a volé. Comme pour la piste précédente, il faut mieux contrôler la vitesse pour que la voiture puisse tourner. Essayons plutôt ça. C'est parti! C'était génial! Maintenant, on a du bleu, du rouge et du jaune. Et il ne nous manque plus qu'une bonne dose d'orange. Alors, on va utiliser un autre propulseur de virage pour faire ce tournant. Je vais avoir besoin de plein d'objets différents pour que cette piste reste en hauteur. Oui, cette table fera un bon début pour mon pont. Et j'ai encore besoin de tourner ici. C'est parti! Ça va m'aider. Heureusement que j'ai tout ce matériel de peinture qui traîne. Avec un booster ici, ma voiture aura juste assez de puissance pour finir en beauté. Ça a marché tout à l'heure. Alors j'espère bien que ça refonctionnera. Et voilà la peinture orange. Oh, c'est pas passé loin. Ce pont est vraiment très long. On va avoir besoin d'un autre lanceur pour arriver de l'autre côté. Je pense qu'en le plaçant ici, on arrivera jusqu'à la peinture. Allez, allez, allez! Oui!
a maintenant 2 pistes à gobelet et 2 pistes à pinceau. On va libérer l'artiste qui sommeille en nous et peindre toute la toile. Ok, c'est parti! Waouh! Plus de rouge! Il nous faut un peu plus de jaune. Encore de l'orange. Trop fort! Et voilà le bleu. Et le jaune. Rouge, rouge, rouge. Plus d'orange. Oui! C'est génial! Oh! C'est pas mal! J'espère que ça a marché. Et maintenant, c'est l'heure de la révélation finale. Waouh! J'adore ce que ça donne! Je vais l'accrocher dans ma chambre! Merci d'avoir regardé la création de mon chef-d'œuvre. Je suis super fière de ma peinture Hot Wheels. Maintenant, à vous de construire votre piste.